Et j'ai une autre question qui me vient là spontanément. Est-ce que tu penses là, si jamais on se projette, etc., que tu continues à être copiste de texte, finalement tu vas être copiste de texte numérique, ou est-ce que tu pourrais aussi être copiste de texte qui imprimé dans un livre? Ça, c'est une question. Et j'y ai pas réfléchi encore. C'est vrai. À la question qui rejoint la tienne, c'est celle, en fait, d'inviter une personne à un livret supplémentaire. Jusqu'à, j'ai pensé à une langue étrangère, avec traduction. Ça m'interpelle parce que même. Pourquoi pas avec une autre orthographe, avec une autre calligraphie, avec d'autres choses, avec des traductions. Mais d'après le livre, peut-être, mais c'est vrai que ça rompt quelque chose de numérique, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, j'ai pas vraiment réfléchi encore. Et c'est une question autre, mais est-ce que tu pourrais raconter, tu dis je me levais le matin comme un copiste, et raconter comment ça se passait tes matinées à peindre et à... Quand on est venu chez toi, on a vu qu'il y avait des textes collés sur le mur. C'est ça, c'est ça. C'est là que, pour revenir à une des précédentes questions, c'est de dire ça a mis en place un rythme de vie. Car il fallait être, comment dire, calme, concentré et écrire, donc sur un escabeau, et adopter donc une hygiène de vie très fluide, très calme. Je partage mon atelier avec des oiseaux en liberté, le chant des oiseaux, le bol de café. En soirée, j'avais déjà donc tourner la page précédente, je réfléchissais à un texte plutôt qu'à un autre, et un imaginaire commençait à se mettre en place. Et le matin, quelques petits traits de crayon, juste un petit croquis rapide, et ça y est, je traçais sur la surface. Il y a quelque chose qui allait très vite. Ensuite, les fonds. Ça a été important aussi pour moi de mettre des personnages. Ça a été très important, de mettre des individus, faire des références à l'art, Dürer, comme l'Italie et autres. Et ça s'arrêtait le midi. Le midi, terminé, il y a quelque chose, perte d'assurance, quelque chose qui était fini. Après, l'après-midi, c'est bon, administratif, les choses et d'autres. Le premier jet était plus là. Voilà.